Bonjour à tous, c'est Willy Jemmer et bienvenue, très chers amis, dans le second épisode de la saison 3 de Space Engineer. Donc, très chers amis, vous voyez que j'ai relativement évolué quand même. Non seulement ça, mais vous voyez en plus que le machin là, hors process, hors processing outpost et fueling station, ces deux-là, avant, n'étaient pas là. Et j'ai eu un gros problème dû au fait que, en fait, on m'a expliqué, donc, lors de la rediff de mon premier live, comment marchait le mode Stargate. Alors, avant, il ne fonctionnait pas, mais maintenant, il fonctionne. Et moi, le mode Stargate, je voulais absolument pouvoir me déplacer de base en base. C'est quand même l'idéal, quoi qu'on en dise. Pour éviter d'avoir un vaisseau et retourner dans l'espace, tout ça, se faire chier, c'est quand même l'idéal. Donc, je me suis refait une partie, donc j'ai les mêmes coordonnées, à savoir ma plaine de glace est exactement ici. J'ai exactement les mêmes coordonnées et pour le coup, j'ai le mode Stargate. Hop, comme vous pouvez le voir, il y a les nouveaux trucs de Stargate. Donc en espérant que le mode ne soit pas rebuggé d'ici là, évidemment. Mais bon, là on va dire que le mode Stargate, je le voulais. C'était un de... C'était un de ceux que je voulais, tout simplement. Donc, chers amis, vous voyez que mon vaisseau, celui avec lequel je suis arrivé, le Jackal Lander, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que je l'ai totalement démonté. Vous voyez que je me suis fait quelques petits trucs, notamment. Hop, donc raffinerie, assembleur, tout merdier, vous voyez le genre. Et donc là, je vais essayer de me construire mon mineur de façon à aller niquer un des deux postes. Un des deux postes, peut-être même les deux en vidéo, je ne sais pas. Des pirates. Donc, petit accéléré, je vous fais ça tout de suite. Eh bien, heureux, donc, chers amis, et donc, voici mon mineur totalement fini. Alors, il faut savoir qu'il a été... Enfin, j'ai mis 4 batteries, parce que j'ai pas de quoi faire un générateur nucléaire. Quand je pourrais, évidemment, je le ferais, mais pour le moment, j'ai pas de quoi. Donc, hop, on va ranger tout ça. Voilà, hop, 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 ok. Ça, c'est fait. On va mettre ça ici. Est-ce que vous voyez, vous avez vu en off que j'ai été... que j'ai été chercher 2-3 trucs, hein. Donc voilà, alors mon mineur, c'est presque le mineur. C'est presque le même mineur que j'ai eu dans la... Donc dans la saison 1. Sauf que je l'ai un petit peu modifié. Bah notamment, j'ai rajouté des batteries et des panneaux solaires. On dirait un peu à Scarabée, vu comme ça, mais c'est pas le cas. Donc voilà, alors on va tout de suite... Hop, virer ça.
Ah, qu'est-ce que... Mais Mais... Ok, heureusement, il s'est posé sans dommage. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah, oui. Voilà, ce sera mieux si jamais des batteries, elles ne s'alimentent plus. Ok, donc là, vous voyez que... Mon mineur est totalement fonctionnel, hein, donc à gauche, à droite, vous connaissez la musique. Hop, je vais le poser à côté. Et donc, en fait, lui, il se rechargera grâce à l'énergie solaire. Par contre, je sais pas c'est quoi cette espèce de bruit qui me fait là, mais ça me fout les boules, moi. Hop, et donc là, si jamais je mets ça, juste pour info, ça met combien de temps à se recharger? Avec des panneaux solaires. Bah, là, les panneaux solaires ne captent rien, n'est-ce pas? Ouais, donc là, ça peut mettre un temps indéfini, mais bon. Voilà quoi. Hop, ce que je vais faire, c'est juste me mettre comme ça, me mettre là, et sauvegarder au cas où. Parfait! Maintenant que ça c'est fait, hop. On va faire ça comme ça. Oh! Un autre drop. Qui est à 2,5 km. Je pense que lui, on va aller le démonter. Et ensuite, on va essayer d'aller voir si jamais on peut se faire le ore processing outpost. Je sais pas si j'ai faisable, je le connais pas ce truc-là. Bah, tu me diras, je connais aucun des postes, donc voilà. Mais bon, sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Hop! Allez, go! C'est bien plus rapide aussi de se déplacer comme ça, hein, quoi qu'on en dise. Ouais, un fond noir, c'est parfait. Hein. Je parle au chat en même temps, parce qu'il faut savoir que cet épisode est tourné en live. Donc, si jamais je ne lis pas vos commentaires de lundi, c'est totalement normal, sachez-le. Par contre, vous voyez que le temps avec les batteries est assez limité. Hein. Je ne peux malheureusement pas rester en l'air autant de temps que je veux. Donc ça, c'est un gros problème. Mais sinon, en soi, ça passe. Hop. Hop, allez go. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, toi? T'as pas l'air d'avoir grand-chose de génial, à part, évidemment, le petit bouton. Ça permet peut-être d'avoir un autre truc, on sait jamais. Hop. Attention, la montagne, Willy. je te jure. Gamer, je crois que Willy t'a oublié. Non, non, je l'ai pas oublié. J'oublie personne, moi. Voilà, pousse-toi. Ah, merde. Ah, attendez, parce qu'il faut que je fasse des stratégies diverses et variées pour avoir accès au conteneur. Parce qu'il y a un conteneur dans ce truc-là, sachez-le. Voilà. Allez, casse-toi! Peut-être qu'en montant dessus, ça marchera, non? Là, pas de ce côté-là. Ce côté-là, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, j'ai un conteneur là. Oh, tu fais chier. Wait, what? Ah, c'est parce que ça commence à alimenter mes panneaux solaires, je crois. Casse-toi! Bah, sans déconner, tu te fous de ma gueule? Casse-toi, je te dis! Mais c'est pas possible, ça! Alors, je suis obligé de le faire pencher, hein, parce que sinon, non seulement je récupère pas ce qu'il y a dans le petit réacteur, mais en plus de ça, je récupère pas ce qu'il y a là-dedans, moi! Ah! Putain, mais tu vas te pencher, oui? Commence à me gonfler cette histoire. Voilà, merci. Ah mais saloperie. Ok, hop. Oups là. Alors attendez parce que. Hop, dedans j'ai 100 grammes d'uranium. Il faut pas les laisser partir. Hop, allez. Donc là normalement ça commence à recharger. Ouais c'est ça commence à recharger. C'est très léger, mais ça commence à recharger. C'est bien. Alors juste faut que je m'habitue à ça hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif mon système hein. En même temps j'ai pas l'habitude de bosser avec des batteries donc faut que tout le temps que je pense à les recharger et tout donc c'est pas extrêmement évident. Ah bah putain c'est bien plus rapide avec ça n'empêche hein. Hop au passage le GPS du nickel on le vire voilà. Ah, je me sens déjà mieux avec un mineur, quoi qu'on en dise. Wait, what?
Il est où mon buggy? attendez, attendez, je. Mais il est passé où mon buggy? Ouah, mon buggy est! Non, mais sans déconner, j'en ai besoin de mon buggy! On m'a volé mon buggy! Bon, alors celle-là, tiens! Merde alors! Bon, bah écoutez, chers amis, rechargement de la sauvegarde, à toutes! Voilà! Donc, chers amis, alors mon buggy était là. On m'a dit sur le chat que c'était peut-être dû au mode, parce que j'ai un mode qui est censé améliorer les perfs. Et c'était peut-être dû au mode parce que mon buggy était éteint. Eh oui, et du coup, étant donné que mon buggy était éteint, peut-être que le mode l'a considéré comme un objet inanimé et l'a effacé. C'est fort possible, mais moi ça me fait fortement chier, donc peut-être que ce mode-là, je le virerai. Allez, go! On va essayer d'aller se faire une des bases. Donc, une des bases des pirates, bien entendu, j'ai sauvegardé. On va pas se mentir. Hop, je vais jeter mon évolué sur celle-là. On va voir ce que ça donne. On va espérer, bien évidemment, que. Alors, ma technique, elle est toute bête. Tu creuses le sol jusqu'en dessous. C'est pas plus compliqué que ça. Et en général, ça marche. Hop. Ouais, là par contre, je crois que je vais aller un peu loin là quand même, non? Parce que la base est à deux bornes, mais on la voit bien quand même, hein. Non, ça va. Hop. Étant donné que j'ai un mineur, c'est parfait pour creuser. Ah! Et tiens alors, attendez, parce que je voulais faire un truc. Juste voir en combien de temps mes panneaux solaires peuvent recharger mes batteries. Hop. Si jamais je mets en recharger automatiquement. Juste pour voir. Batterie. C'est où? C'est là. En combien de temps? En 10 heures. Eh ben ça fait long! Ça fait très très long. Non, il va falloir que je me fasse des. Que je me fasse des. Bah que je me fasse des générateurs nucléaires, hein, ça va pas cette histoire. Bon bref, en attendant, on va utiliser ça pour cet épisode-là, en espérant bien évidemment que ça ne fasse pas tout cramer. Ok, alors, on va pour le coup prendre ceci. C'est bon, ça marche? Ça marche, c'est parfait. Allez. Alors je sais pas si jamais elle est armée en dessous, donc on va espérer que. Hein. Hop. Voilà, vous allez voir. Oh la vache. Oh, ça fait des bruits. Oh, ça fait des bruits. Hop. Donc voilà, hein, c'est tout bête. Hein. Moi, je rentre dedans, rien à foutre. Hein. Hop. Ah, maintenant, il faut pas aller trop vite. Hop. Et donc là, on va se mettre. Voilà, comme ça. Et donc, bah, on va creuser. On va creuser, c'est tout bête. Donc, chers amis, je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce que je sois bah, sous la base. Donc, bah, à tout de suite. Eh bien, heureux, donc, chers amis, et donc, je suis donc à 100 mètres de ma cible. Donc, on va voir si jamais j'y arrive. Alors, je suis désolé pour le bruit, mais bon, je voulais vous faire les 100 derniers mètres quand même. Parce que ça a été long, hein. On dirait pas comme ça, mais ça a été long. Hop, juste que je m'assure de pas être trop près du sol. Pour pas me faire shooter, ça va de soi. Voilà, je veux être au minimum à 10 mètres du sol. Voilà, je suis à 8 mètres, c'est parfait. Alors vous y voyez que dalle, je vous rassure, moi non plus. Hop, juste attendre d'être à la verticale et ensuite on va monter. À la main, évidemment. À 100 mètres de la mort, Guillaume. Ah, t'es méchant, Guillaume. Oh non, t'es méchant. Hop, je grignote, petit à petit. Ah. Ok, je commence à dépasser. Alors, on va se poser viteuf. Enfin, viteuf. On va quand même se poser en douceur, faut quand même pas déconner. Ok, landing gear locked. Voilà. De façon à ce que ça ne me consomme pas d'énergie. On va faire ça comme. Enfin, quoique tu me diras, je peux très bien désactiver ça et activer ça. Voilà, là j'en ai pour 4 heures d'autonomie, c'est parfait. Ah, bah tiens, vous voyez, la base est juste là.
J'aurais pas mal calculé mon coup. Ok. Donc là, alors j'ai avec le boucan que tu fais, bizarre que tu te fais pas dézinguer. Eh, oh, c'est une IA, faut pas déconner non plus, hein. Donc, il faut savoir, chers amis, que j'ai remarqué deux trois petits trucs, notamment que les qu'en fait, en général, les pirates, ils mettent leur comment dire, ils mettent leur balise au milieu de leur base. Et donc de ce fait, normalement, tout du moins, je devrais pas me faire flinguer. Je dis bien normalement, hein, faut quand même pas déconner. Hop, on va creuser lentement mais sûrement. Oh là! Ok, très bien, c'est une base sur pilotis, je suis baisé. La technique du lâche, je sais pas si elle va fonctionner. Juste, je vérifie que mes deux trucs sont encore là. Jackal, ok, tout est là. Hop, je sauvegarde. Ouais, histoire de pas sauvegarder quand mon machin a des pop. Alors, là, si je me fais flinguer, c'est pas très grave. Juste. Alors là, par contre, j'ai des lags, mais c'est le jeu qui lag, c'est pas moi. Hein. Alors, ah. Là, vous voyez, là, il y a une arme, là. Il y en a d'autres? Des armes? Ouais, là, il y en a une. Oh, putain, elle est même prête. Oh là, oh là là! Oh, elle me suit, celle-là! Oh, celle-là, je l'avais pas vue! Par contre, j'ai des lags. J'ai des lags, mais c'est le jeu, hein, c'est pas moi. Moi, je tourne à 30 FPS. Tac, tac, tac. Alors, attendez, parce que là, j'ai des lags, ça me fait chier. Tu as fini de laguer le jeu à la con, là? C'est bon? T'as fini? Ok. Alors là, il y en a une qui me suit. Ça me plaît moyennement. Déjà, on va pas se mentir. Ah! Bon, bah heureusement que j'avais sauvegardé. Hop! Ça aura pas été long. Non, non, tu sauvegardes pas. Fort dans le pilier central. Alors, je vais pas forer, mais je vais le grinder, le pilier, ouais. On va essayer. Hop. Voilà, vous voyez que voilà, j'ai bien sauvegardé, n'empêche. Hein. Allez, ça va pas être long, rassurez-vous. Oh, il est mort, comme c'est curieux, ouais, tu m'étonnes. C'est vrai, je meurs jamais, moi. La simplicité et la sophistication ultime, tout à fait. C'est pour ça que je passe par en dessous au lieu de passer par-dessus. Donc à faire. Alors, on va voir ce que ça donne cette fois. Bon, bien entendu, je vous éviterai les temps de rechargement. Celui-ci, je vous le mets parce que voilà, mais sinon. Guillaume Lablanche, à 100 mètres de la mort, oui. Oh, ça va, hein. Guillaume, ne rajoute pas. Hein. Je te préviens, hein. Attention. Moi, je banne, moi, fais gaffe. Bon, ça met un petit temps à charger, c'est bien normal. Je vous épargnerai les autres temps de chargement, mais c'est vrai que celui-ci, je vous le laisse. Je vous le laisse parce que ben, je suis un connard, et puis j'ai le droit de parler, merde, oh! Faut pas déconner à un moment. Bon, par contre, tu pouvais manier ton fion, ça quand même sympa, non? Allez, chargement, veuillez patienter. Je sais, je suis sous la terre, t'aimes pas ça, tout ça, tout ça. Magne-toi! Merci! Pour une fois que ce jeu m'écoute. Ok, bon. Par contre, j'ai des logs. J'ai des lags, ouh là 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 là, j'ai des gros lags. Bon, on va. Putain. Ouais, chers amis, là c'est pas faisable. Là c'est clairement pas possible. Ok, test. Bon, a priori ça a l'air d'être réglé. Parfait. Alors, ouais, enfin ça a l'air d'être réglé, c'est viteuf quand même. Alors, le pilier central, ouais, c'est bien beau, mais. Là, y a rien qui me follow, a priori. Sauf peut-être la tourelle qui est là. Ah, putain, je l'ai vue cette salope. Je l'ai vue! Ah! C'est un progrès! Eh bien, retron, chers amis, donc après quelques tentatives, hein, je vais pas vous mentir, j'en ai fait quelques-unes quand même. J'ai, je pense, trouvé la technique. Alors, la technique, déjà, c'est que je suis pas du tout là où il faut, pour commencer. Alors, ça lagouille un peu, je sais, c'est normal, c'est le jeu. Hop, voilà. La technique, c'est de se mettre là. Et en fait, c'est de passer le plus vite possible pour pas que les tourelles aient le temps de te flinguer. Là, tu vois, je suis bien mal mis, là, je trouve. Oula, 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 oula. Ok. Là, c'est pas garanti que j'y arrive. Vous êtes prêts? Raté! Allez, on rentre. Ok. Là, il y a un arbre, c'est parfait. C'est quoi, ça? Des escaliers? What? Je sais pas où je suis là. Ah, je suis dans un arbre, je vois rien! Mais c'est quoi? C'est quoi cette technique de traître? C'est quoi cette foutue technique de traître? Où on te fout un arbre dans la gueule, pourquoi tu vois rien? Non mais franchement, quoi! Voilà, encore une fois, chers amis! Je vous jure. Bon, alors, la suite. La suite du plan, quelle est-elle? Hop, on va là.
Non, pas là, pas là. C'est là que je me suis fait baiser avec le, avec l'arbre. Pas là. On va plus aller là. C'est bien là. Feu! Ta 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 ta! Et allez! Ok, ça va. Putain, il y a encore un arbre. Ah, ces foutus arbres. Alors là, pour le coup, on va aller là. Voilà, comme ça, déjà, hop. Là, déjà, j'aurais pu avouer, ce serait toujours pas si mal. Alors, on me dit sur le chat qu'il va tomber sur une tourelle d'intérieur. Ouais, c'est fort possible. Oh, attendez, il y a une aération là. Oh. Ok. Il y a une tourelle ou pas là? J'ai peur. Maman? Ah, non, pas de tourelle. Pas de tourelle, enfin a priori tout du moins, j'en vois pas. Hein? Hein? Pas de tourelle, on dirait. Tout ceci me ravit, je vais pas vous mentir. Pas de tourelle. Oh putain. Ah, par contre, il faut batterie, il y a ce qu'il faut, quoi. Moi je dis, faut niquer les batteries. Sinon, je m'en sortirai pas vivant. Hop. On va voir tout de suite hein, si jamais il reste du courant. Si la lampe est allumée, c'est qu'il reste du courant. Si je mets la lampe s'éteint, c'est qu'il n'y a plus de courant et que là, je suis safe. Tout simplement. Hop. Oh là là. Elle est allumée? Non, elle est éteinte. Yes! Ça marche! Ah, je suis safe! Youhou! What? Oula, qu'est-ce que... What? Attends, pourquoi est-ce que j'ai... Attends, il y a un truc que je pige pas là. Pourquoi est-ce que je me suis fait des dégâts? Il y a des machins que je pige pas vraiment là. Il y a quoi là-dedans? Oh, il y a du nickel. Ça, c'est nickel, il m'en faut. Bref, passons. Ok, alors pourquoi est-ce que je me fais des dégâts? Je ne comprends pas. Ah, mais sans déconner, pourquoi est-ce que... Ah, il n'y a pas d'oxygène là! Je sais pas pourquoi il n'y en a pas, mais il n'y en a pas a priori. Voilà, je vais t'en mettre moi de l'oxygène, tu vas voir. Là! Et là, je dis oui, là! Ok, oh là là, mais ça m'a l'air d'être une sacrée installation, effectivement. Ça m'a l'air d'être une installation, regardez-moi ça, regarde-moi tout ça. Oh là 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 là! Toi, l'arbre, l'arbre démoniaque! Je te bannis! Voilà, toi, tu dégages, toi, je peux plus te voir, saloperie. Voilà, dégage, toi aussi, c'est pareil! Vous êtes tous des arbres maudits! Ah, c'est plus toi qui m'as fait chier que l'autre, mais bon, c'est pareil. Hop! Crie pas victoire trop vite. Bah là, j'ai désactivé l'énergie, donc si, là, je peux crier victoire, je suis bon là. Hein. Hop! L'entrée d'ailleurs est censée être normalement là. Moi, je dis là, je suis bon. Hein. Recycle là. Ah bah ça, je vais pas me gêner, ça, tu peux me croire. Hop! Ah tiens, regardez-moi ça. Cette espèce de saloperie de tourelle qui t'attend si jamais t'as le malheur de venir par là, quoi. Regarde-moi ça. Comment c'est sale! Mais en même temps, bon, voilà, quoi, c'est le jeu. Hein. Hop, donc là, on monte là. Et donc là, c'est parfait. C'est bon, j'ai de l'oxygène partout, là, t'es sûr? Oula. Ah, c'est de la lumière. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, du cobalt. Je prends 8 tonnes de cobalt, ça fait l'affaire. Bon, et eh bah ben écoutez, chers amis, moi je pense que ce que je vais faire, c'est hop, on va remonter le mineur. Parce que pour le coup, faut bien qu'il remonte lui. Voilà, pour le coup, étant donné que j'ai plus rien à craindre, cette fois-ci je peux le remonter. Alors vous y voyez que dalle, je sais, je suis navré. Hop, ah merde, non, je suis idiot. Merci, c'est ça que j'ai besoin. Hop, ouais, non, si, pourtant. Bah écoutez, chers amis, je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce que je remonte en haut et jusqu'à ce que jusqu'à ce que tout simplement je grind la totalité de la base, hein, parce que bon, je vais le faire en live tant qu'à faire. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien, donc chers amis, donc voilà, donc j'ai démonté toute la base là-bas, je suis allé miner un petit peu, notamment de l'argent. Du délicieux argent, tout à fait. Pourquoi? Parce que il va m'en falloir. Il va m'en falloir. Il s'avère que les batteries, ça me fait chier. Ah oui, tout à fait. Les batteries ne durent vraiment pas du tout longtemps.
Et ça, quoi qu'on en dise, bah ça m'emmerde. Vous voyez qu'ici, j'ai mis des petits réacteurs nucléaires. Cela dit, bon, l'uranium, il est pompé assez vite par les batteries, mais les batteries, étant donné que ça dure pas longtemps, j'en vois clairement pas l'utilité. Donc c'est pour ça que ce que je vais faire, je vais essayer de me construire deux gros réacteurs nucléaires. Alors un peut-être, deux pas sûr, on verra. Hop. Et vous voyez d'ailleurs là-haut le magnifique vaisseau Supply Transport. Il est tout petit. Il est tout petit, mais si vous zoomez, vous pouvez peut-être le voir. Sait-on jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc on va faire ça. Il faut savoir que j'ai jamais été pour les batteries. Les batteries, c'est extrêmement chiant. Parce que, certes, ça dépanne, hein, je dis pas, mais quand elles sont à plat, bah t'es baisé, clairement. Et ça me plaît pas. Hop. Donc, allez, on va démonter tout ça. Voilà. Maintenant que tout ça est démonté, on va bah, démonter les panneaux solaires. Hein, pour le coup, on n'en a plus besoin. Hop, parce que les batteries, elles vont virer. Voilà. D'ailleurs, les batteries vont tellement virer que ça sert plus à rien que ce soit là non plus, parce que tout ça, c'était uniquement pour les panneaux solaires, c'est tout. Ah, reste là, toi. Si tu pouvais éviter de m'entuber d'une plaque d'acier, je serais quand même satisfait. Voilà. Hop. Alors. Maintenant. Voilà. Voilà. Et donc là, il me semble que je peux. Non, mes aérations sont finies. Hein. Ouais, c'est ça, mes aérations sont terminées. Parfait. Alors, on va aller se vider l'inventaire. Toc. Ouais, je sais que ça booste la consommation d'énergie, Guillaume, mais ça, c'est pas grave, ça. Regarde-moi ça. 22 kilos d'Ura. M'en fous. Si jamais je dis ça, c'est déjà parce que je suis en live, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon, au cas où. Surtout que là, j'ai mis des modules de productivité afin que ça produise à mort. Parce que je trouvais ça trop long, sinon. Donc, peu importe que ça consomme de l'énergie, je veux dire, j'ai une mine d'uranium qui a moins de 2 bornes de chez moi, c'est pas difficile ça à éliminer. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on ne récupère pas les cellules d'énergie. Ça, c'est un problème, ça aussi. Hop. Je sais pas, il y a des bruits bizarres, je comprends pas tout. Ok. Là, par contre, il y a un. Pourquoi est-ce que là il y a un bloc? Bah, j'avais peut-être mes raisons. Par contre, j'en ai pas mis un de l'autre côté. Ça la fout mal, ça, par contre. Voilà, merci. Hop, ça c'est fait. Alors, donc, pour le gros réacteur, on va déjà en mettre un. Je pense que ça devrait déjà être pas mal. Réacteur, un gros, s'il te plaît. Il m'en faut à peu près une centaine, hein, de composants de réacteur. Voilà, donc on va le mettre. Bah écoutez, on va le mettre là, hein, là c'est bien là. Alors, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Hein. Vous inquiétez pas, quand j'aurai les nanites, ça va changer tout ça. Parce que là, ça me. Hein. Vous voyez, je viens de te dire que c'est les efficacités qu'il faut mettre car la productivité n'augmente. Quoi? Attendez, attendez, deux petites secondes. C'est efficacité pour le ratio lingot or. Ah, donc c'est l'efficacité, c'est pas la productivité. Toutes mes excuses. Autant pour moi, on change de plan. Hop, on m'a induit en erreur sur le chat, c'est pas très grave. Hein. Y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Moi, je demande, on me répond. Je serais mal placé pour juger. Donc, c'est l'efficacité. Hein. Autant pour moi. Hop, on va faire ça tout de suite. Hein. Ça, c'est pas dur à faire. Hein. Hop. Ah! Casse-toi, toi. Là, viens là, toi, saloperie. Ah oui, en parlant des coordonnées que j'ai mis donc dans l'épisode de lundi, les coordonnées ne sont peut-être pas dans le bon ordre. Hein. La première coordonnée, c'est peut-être pas X, la deuxième, c'est peut-être pas Y, la troisième, c'est peut-être pas Z. Non, il faudra chercher un petit peu si jamais vous voulez les avoir. Moi, je vous dis ça comme ça. Hein. On va vous le voir après.
Déjà, c'est si jamais vous avez trouvé les coordonnées, parce que je suis plutôt bien caché, je suis plutôt content de moi. Voilà, c'est trouvable, hein. Franchement, largement, c'est trouvable. Mais bon, disons que pour les rageux, je préfère dire. Ouais, Willy, tes coordonnées, c'est pas les bonnes, tout ça. Bah, c'est peut-être parce que la première coordonnée, c'est pas X, la deuxième, c'est pas Y, et la troisième, c'est pas Z, par exemple. Ce serait possible d'arrêter de bugger 30 secondes ou pas? Qu'est-ce qu'il me fait, lui, mais il est taré. C'est bon, t'es construit en entier? Ah oui, on dirait. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore tout à fait, sauf que moi, ces trucs-là, je les confonds toujours. Ok, il me faut encore des grilles métalliques. J'en ai plus, là. Es-tu certain de ton coup que je n'en ai plus? Tiens, fous-toi de moi que j'en ai plus, tiens. Viens là, toi. Merci. Hop. Là. Et là. Et là, ça va pulser, mon gars, là. Ça va peut-être m'augmenter la consommation d'énergie, mais je m'en fous. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression que ça consomme. Vous savez quoi? Hop. On va l'éteindre et on va la redémarrer pour que ça prenne effet. Hop. Voilà. Ce sera peut-être plus flagrant, là, je sais pas. Bon, non, c'est pas plus flagrant que ça, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Hop, ok. Alors. Assembleur. Toc, il va m'en falloir une centaine de comme. Comme ça. Voilà. Voilà, merci. Une centaine, il va me falloir 166 kilos. Ah merde, j'ai pas de gravier. Eh! Excusez-moi les gars, mais j'ai pas de gravier, ça va pas le faire. Bon, le gravier, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Hein. La pierre. Allez, vas-y, fais-moi un petit peu de gravier. Un tout petit peu. Hein. Voilà. Allez, amuse-toi. Avec ça, déjà, je devrais être pas mal pour un moment. Va passer de 560 à 2800. Ah, ça c'est con. Cool, bah bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. J'ai un peu une raffinerie qui me fait de l'uranium. Ouais, bah ça. Ça baisse pas très vite en plus, hein, franchement. J'ai vu mieux. Ok, c'est bon, tu construis, toi t'as tout ce qu'il faut. Hein. Oh bah putain, regarde-moi ça, comment ça va vite. C'est parfait ça. Ok, j'en ai déjà une centaine, c'est bien. Je pense même que j'aurais moyen de m'en faire deux. Hop. Parfait. On va lui mettre 2 kilos d'ura. Ça devrait suffire pour largement un bon moment, je pense. Hop, voilà. Et bah vous savez quoi, je vais lui demander de m'en faire 100 autres, parce qu'a priori j'ai de quoi, je pense. Hop, voilà. Allez, amuse-toi avec ça. Voilà. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Voilà, et donc pour la suite, eh ben, je vais lui demander un deuxième, hein. Donc à faire, on n'est plus à ça près. Réacteur. Tac, tac. Voilà. Tu me le mets ici, t'es gentil. Hop, allez, on va aller chercher le reste. Et alors là, je vous dis que les gars, ça va pulser. Hein. Oh, un acné au signal. Je serais bien tenté d'aller le farmer celui-là juste pour la forme. Regarde-moi ça, c'est déjà fait, c'est magnifique. C'est magnifique! Hop, voilà. Ah, tu veux bien 30 secondes? Comment ça me fait chier cette histoire? Et qu'est-ce que tu mets le propulseur atmosphérique? Est-ce que je suis sur le propulseur atmosphérique là? Ah, putain, faut vraiment se pointer alors à des points précis quoi. Oh là là, franchement quoi. Ouais, comme vous voyez, le jeu optimisation, c'est pas encore totalement ça. Hein. 28 centimes à l'heure, ça fait mal. Quoi? Continue tes vidéos, t'es le meilleur. Je te remercie. Je te remercie. Je dirai bien ton pseudo, mais il est un peu trop long à dire. Clairement. Je suis patient, mais pas à ce point. Alors, voyons voir. Rien qu'avec 2 kilos du rat, je peux tenir combien de temps? Ça c'est quand même à voir, ça. Hop. Ouais, rien qu'avec 2 kilos d'uranium, je peux tenir 6 heures. 23 minutes en l'air. Enfin, 1 heure en l'air, comme ça, sans bouger. J'ai envie de dire que c'est un peu confort, quand même. Hop, alors ce que je vais faire. Je vais bien arrêter de laguer 30 secondes. Ce serait gentil. Voilà, c'est qu'on va aussi modifier les buggy en conséquence. À savoir que
On va virer la batterie et on va y mettre un gros réacteur si jamais j'ai moyen, bien évidemment. Parce que le buggy, je ne sais pas comment il est fait, lui. Et le réacteur, lui, c'est 3 sur 3 qu'il prend. Et la batterie, elle, c'est 2. Ah, ça me plaît pas. Comment je vais mettre le gros réacteur? Ça, c'est la question, ça. Parce que là, en fait, il y a quoi? Alors, attendez. On va essayer de désosser ça, on va voir. Hop, là, il y a ça. Par contre, qu'est-ce qui m'emmerde à tenir sa meuleuse comme ça, lui? Voilà, on va voir comme ça ce qu'il y a. Tenir sa meuleuse comme ça, mais je te jure. Ok. Bloc programmable, j'en ai jamais eu besoin. Le projecteur. On se demande ce que ça branle là. 3 sur 3. Hein. Et en fait, non, la batterie elle prend que 2 sur 2, elle. Non, elle prend 3. Elle prend 3 en largeur, mais pas en longueur. Tout ce qu'il faut, c'est que je modifie un peu ça. Alors bon, les phares, on s'en fout, hein, clairement. Hop. Oh non! Oh my god! Oh mon god! Ok, on panique pas, on panique pas. Putain, merde. Je suis pas dessus là? Mais c'est pas vrai ça! Ok, bon, on panique pas. On panique pas, tout va bien, tout va bien. A priori, j'ai envie de dire que le buggy, j'en ai même plus besoin. Hein. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde à garder le buggy. Hein. Certes, il est classe, tout ça, mais. Ça me sert à rien. Ouais, vous savez quoi? Tiens, je le démonte. C'est surtout par flemme de le reconstruire. Hein. Parce que les roues. Je prendrais peut-être un autre vaisseau de réapparition et je me représenterais peut-être le buggy. Je me referais peut-être un buggy. Enfin, je respawnerais sur la planète et je me referais le buggy, quoi. Enfin, je me le reprendrais. Enfin, bref, vous m'avez compris, quoi. Après tout, c'est un outil à ma disposition. Pourquoi s'en priver? Et ce truc-là qui ne veut pas se faire grind. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Ah ouais, c'est pas dur en plus à déconstruire un buggy. J'ai l'impression que c'est même plus dur à faire qu'à déconstruire. Ça fait... Ah oui, mais je suis blindé, c'est pour ça. Ok. Hop, on va tout mettre. No stress. Ne pas donner une disqueuse à Willy. Ah non, surtout pas, c'est une très mauvaise idée. Juste pour voir, alors du coup, pour faire ça, il me faut de l'or et du fer. Ok, donc on va inverser les rôles. Ta 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 ta, tu m'arrêtes l'argent. Ah bah l'argent est déjà fini. Bah c'est parfait ça. Ah non, l'argent est là. Pourquoi c'est passé au nickel? J'ai pas demandé ça, moi. Prends l'or, saloperie. Non mais, connerie. C'est 10 kilos là, ouais. Et il me faut, pour me faire un seul truc comme ça, il me faut moins d'un kilo. Moins d'un kilo, autrement dit, il me faut environ une tonne d'œufs d'or. Ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Alors cet épisode sera peut-être un petit peu long, je sais pas depuis combien de temps il dure. Parce que j'ai l'accéléré à vous faire et tout, donc je sais pas, on verra. Oh mais attendez, il y a des trucs là. Et c'est du blindage lourd en plus. Ah, attendez, juste ça, faut que je le reconstruise parce que c'est un peu ce qui tient l'intégrité de tout le merdier en place. Donc bon, si je mets celui-là, je peux peut-être le grind avant le reste. Ah, donc il y a quand même du blindage lourd là-dessus. Ça n'empêche pas de se péter facilement, mais bon. Ah, c'est tellement une joie de tout déconstruire.
Donne-moi la balise. Allez, vas-y, donne-moi la batterie. Et hop! Ça fait des chocs à pic. Là, parfait. Et bah voilà. Ah non, j'avais oublié ça. Et bah voilà! J'ai envie de dire, ça s'est bien passé. En moins de 10 minutes, un buggy démonté. Eh, je pourrais en presque m'en faire mon slogan. je suis content, moi. Bon, et bah écoutez, chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. J'allais dire Dark, mais non, c'est pas vrai. J'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura... Tu m'emmerdes, fous-moi ça là, j'ai dit. Non mais, c'est quoi, c'est du carnage, là. Alors j'ai 31 kg d'or, il va falloir que je laisse tourner là, le jeu pendant un petit moment pour que ça me cuise tout l'or. J'espère que j'aurai assez, qu'est-ce que ça fout, là, ça. Ah oui, non, ça c'est vrai, ça c'est pour construire les petits vaisseaux. Bon, lui, je le laisse. Mais attention, si jamais tu te mets à devenir fou, je te débarque, hein. Attention. Qu'on soit bien clair. C'est quoi, ça? Transport courrière... Ah, là, j'ai une lockout tower par là-bas, a priori sur la montagne, voyez-vous ça. Et donc là, j'ai une fueling station que j'irai peut-être voir lors du prochain épisode, je sais pas, on verra. Enfin bon, moi, chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine.